Bonjour tout le monde, c'est Kazuki et aujourd'hui on se retrouve pour un petit live en vide-grenier. Donc j'ai entendu dire qu'il y avait un vide-grenier à Novigrad. Donc j'ai campé devant la porte depuis 2-3 heures du mat et là il est 4 heures du matin et on va aller voir si on peut chiner de bons petits jeux vidéo. Donc déjà il pleut. C'est pas trop bon pour trouver du jeu vidéo ça, on va quand même essayer. Il paraît que c'est le plus gros vide-grenier de la région. Et on va se dépêcher sinon les ratisseurs vont le prendre. Alors je sais pas trop où il est, vide-grenier, il va falloir qu'on cherche un peu. C'est un peu ça aussi le plaisir. 4 heures du mat, il pleut. Je ne suis pas à brosser les dames. Ça a l'air plutôt bon, les rues sont désertes, on va quand même accélérer le pas. Pour ne pas se faire piquer les jeux. Ah là, mais ils sont où? Il est où celui de grenier? Pas possible. Non. Rien sur cette petite place. On va aller voir par là. Putain, j'espère que je ne me suis pas trompé de jour. Je suis toute. Ici, on voit qu'il y a des gens. On va demander à cette rivière de boire. Tu veux que je te chante? Il s'en sort. Non, je cherche le vide-grenier. Vous l'aurez pas vu, s'il vous plaît? Ouais, il y a que les ivrognes. C'est à 4h du matin, merde. Le mec, il sort de boîte. Bon, mais en fait, je crois que sur le site internet, c'était pas bon. Hein. Pas l'air d'avoir de vide-grenier. On va aller faire un petit tour à l'auberge quand même. Ah, je suis trompé de porte. Merde. Ah, peut-être qu'il est sur le quai le vide-grenier. Ah ça crie à mon avis, il y en a qui ont dû trouver des jeux vidéo. Bon. Visiblement, le vide-grenier n'est pas par là, mais il commence à faire soleil. On va se requinquer dans un bar. On va aller prendre une petite mousse. Bon, on va aller voir si le vide-grenier n'est pas de l'autre côté de la rive. Allez, on se dit à tout de suite pour la suite des aventures.